je donne des cours de stand-up et je vais vous montrer ma classe. Eh les cours de stand-up, vous êtes chauds? C'est la bonne classe. Aujourd'hui dans le cours de stand-up, je vais un peu leur apprendre tout ce qui est éthique dans l'humour. Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup d'éthique en humour. Le cours d'aujourd'hui, c'est la dignité. Ne jamais perdre sa dignité, ok? N'oubliez jamais de respecter les autres. Même si les autres sont des énormes fils de pute. Ouais. Surtout toi. Enfin, pardon. Fille de pute. J'ai pas envie d'avoir de problème avec les gens, ok? Toi, t'es un genre bizarre, toi. Mais comment il sait que ma mère, c'est une pute? Le sketch serait plus drôle si tu te jouais à poil. Bah non. Moi, je peux. Non, toi, ça serait moins drôle, toi. C'est... Qui a fait ça? Lui, son point fort, c'est son corps. Il fera rire tout le monde avec. N'ayez jamais de barrière. Vous pouvez faire des blagues sur toutes les religions, sur toutes les guerres. Vous êtes nos limites, ok? Mais je chiale! Ouais ouais. Et on vous calme! Toi, je vais péter la gueule! Aucune blague du PSG est drôle, ok? Je connais absolument rien au foot. Par contre, j'ai baisé avec 3 joueurs du PSG et même ça, ils l'ont raté. Tu sais, j'ai joué un peu partout dans toute la France. Hein. J'ai joué à Saint-Etienne, bon, il y avait 2-3 personnes. J'ai joué aussi à Strasbourg, j'étais 4. J'ai joué à Brest, ils étaient 2. Voilà quoi, j'ai fait le tour de la France quoi. En gros, il n'y a jamais personne dans ces salles. En cumuler les spectateurs sur toute ma carrière, il y a quoi remplir cette salle de classe. Eh, le succès. Après, je suis prof de stand-up, c'est bien parce que j'ai loupé quelque chose dans ma vie. Si vous n'avez pas d'idée pour votre sketch, c'est très simple, parlez de votre expérience. Vous avez des trésors dans votre histoire. Chaque chose de votre vie peut être drôle. Moi, je me suis fait kidnapper à l'âge de 6 ans par mon oncle et il m'a violée pendant 10 ans. Sa vie à elle, c'est un vrai film d'humour. Hein. Wouah, qu'est-ce que c'est drôle! Surtout quand elle s'est fait violer. Bah, moi, je voulais faire un sketch un peu engagé quoi, sur le harcèlement et tout. Mais il a dit que les blagues sur le métro, ça marchait mieux. C'était plus original. En tout cas, moi, je suis trop content. Je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance ici et c'est super. Mais toi, du coup, t'es comment? T'es un peu... non, ça va, ouais. Eh, hey, j'aimerais bien faire un hockey. T'es un peu le... T'es genre, waouh, qui va chercher la balle? Ben, c'est moi. C'est moi qui lâche la balle. Gay. Ouais. Hein? C'est la première fois que j'en vois. On pourrait croire que ces gens-là, il y en a plein dans le milieu du spectacle, mais moi, j'en ai vu zéro. T'es qu'un pauvre connard, tu rigoles à des trucs alors je suis en train de te parler de quelque... Mais t'es pas drôle! À quel moment c'est drôle ce que je suis en train de te raconter? Mais t'es sérieux avec ta tête de connard, là? Mais pourquoi tu rigoles? Mais va te faire enculer, en fait! Ça... L'exercice est fini. Ah, c'était un exercice, là? Ouais. Ah, mais j'étais super sincère. Et donc, c'est ça, l'humour. Les futures stars de l'humour.